Encadreurs techniques, n'est-ce pas? Plusieurs dans chaque équipe, il y a les officiels de table et de terrain, il y a les joueurs. Nous sommes d'accord, non? Combien de fois, chacune au moins une fois, vient mal là où le coach a fait un mauvais choix, non? Comment il a pas sa vie le temps au moment ici? Hein? Et qui va faire? Ça arrive au moins une fois, non? Chacun a te voir jouer au moins un grand joueur, faire une action, un jambe, prendre le ballon, non? Bon, tout le monde fait les erreurs, pourquoi les habitants ne peuvent pas faire les erreurs aussi? Hein? On veut dire les tuer, dès qu'ils font des erreurs, on appelle les gens. La garde nationale, on veut les enfermer, les mettre en prison. Non, le père là, le type là me déteste, ma mère là me déteste, il veut gâter mon match. Pourquoi? Les coachs font les erreurs, les joueurs font les erreurs. Les habitants aussi sont humains. Les habitants aussi sont humains. Je peux voir une action là, il y a un contact. Moi, je ne sais pas si c'est le col Laura ou bien maman Zazie qui a connu. Maman, j'estime que c'est maman Zazie. C'est humain. Hein, calmement. D'accord? Vous acceptez. Quand il y a encore l'interruption de jeu, vous pouvez aller voir la bite poliment, et même pas vous, le capitaine qui a le droit. Vous avez la bite, vous pouvez regarder un peu le col Laura là. Vous arrêtez, hein? Regardez bien, vous allez voir. Poliment, d'accord? Il y a des images qui ne sont pas bonnes. Je ne veux pas vous prendre la vie. Ce n'est pas que vous jouez pour votre vie. Tant que vous êtes de vous, quelle que soit la décision de la vie, vous devez continuer à vous battre pour votre vie. D'accord? Donc, je ne veux plus voir un joueur ici par là et là. Merci. Applaudissez pour le coach Laura. Oh, 5 minutes!